Bonjour à tous, le vendredi c'est n'importe qui et ce soir c'est moi, Sylvain ou Zed, comme vous voulez, qui présente. Et oui, alors je l'avais déjà fait, la présentation du 100%, il y a 2 ans je crois. Et puis bah en fait là, il est un peu plus de midi, on a personne pour ce soir et il faut que je me dépêche parce que comme c'est moi qui monte le 101%, bah plus vite je vais tourner, plus vite je pourrai le monter. Donc on enchaîne tout de suite avec le sommaire. On va avoir une critique de jeu, Crimson Clover. On aura ensuite Game Center, la nouvelle émission consacrée à l'arcade. Et enfin, les sorties animées et manga. Mais tout de suite, on commence avec les news. Cave Johnson here, introducing the consumer version of our most popular military grade product. Une nouvelle vidéo vient s'ajouter à la liste déjà longue des petits clips humoristiques présentant le prochain portal. Cette fois, ce sont les fameuses tourelles de défense qui sont mises en avant. On a vraiment hâte de pouvoir leur tenir compagnie. En attendant, on vous rappelle que Portal 2 sort dans un peu moins de 2 semaines sur PC, Mac, PS3 et 360 et fera bien évidemment l'objet d'une critique dans le cadre de 101%. Desert. Different. Table. Evening at the Improv. What idiot picked me? Then we box them up and ship them straight to your doorstep. So you can protect the things that matter most. Good night. Just try and get close to that baby. Your funeral. Cave Johnson, we're done here. Ubisoft vient d'annoncer le portage pour console HD du RTS RPG Might and Magic Clash of Heroes. Originalement sorti sur Nintendo DS, le jeu a dans l'ensemble été bien reçu par la presse spécialisée et les joueurs, son principal point fort étant ce savant mélange entre RPG et puzzle game. Pour cette version, outre le passage à la HD, des réajustements de gameplay sont prévus. Le multijoueur se voit aussi développé avec la présence d'un système de classement et la possibilité de jouer online jusqu'à 4 joueurs. On rappelle que le titre d'Ubisoft est prévu pour le 13 avril sur PSN et XBLA. There is a darkness taking over this world. Après un Shattered Dimensions très sympa avec ses 4 héros venant d'époques différentes, Spider-Man revient dans une nouvelle aventure intitulée Edge of Time. Le scénario a l'air assez complexe dit comme ça. Le Spider-Man de l'an 2099 doit sauver celui de notre époque pour que le futur du monde soit modifié. Espérons qu'il ne soit pas là que pour faire joli et qu'il aura une vraie incidence sur le gameplay. Mis à part ça, on est bien devant une suite de Shattered Dimensions et les mécaniques ont l'air similaires. Prévu pour la fin de l'année, Edge of Time est un jeu à surveiller dont on vous reparlera certainement. Ce nouveau trailer de Virtua Tennis 4 se focalise sur la PS3. Les fidèles de Sony pourront notamment jouer avec le PlayStation Move et en 3D, à condition d'être suffisamment bien équipés. On a également droit à un aperçu des autres éléments du jeu, les joueurs aux caractéristiques fidèles à la réalité, les replays des moments décisifs du match et les mini-jeux jouables jusqu'à 4. C'est bien, Virtua Tennis 4 a l'air très fourni, mais est-ce que ce sera suffisant pour concurrencer Top Spin 4? On sera bientôt fixé, la sortie étant prévue pour le 29 avril. Alors, je sais pas du coup trop quoi vous raconter parce que j'ai rien vraiment préparé en avance quoi. Mais du coup, je pense que je vais vous parler un petit peu, notamment de ce que je fais à No Life, parce que finalement, je fais pas mal de petites choses et autant un monteur, c'est assez facile de comprendre ce qu'il fait, un cadreur aussi, un ingénieur du son aussi. Autant moi, je suis responsable de la conduite antenne et c'est pas forcément très clair dans l'esprit des gens. Donc, en gros. Pour résumer, ce que je fais, c'est que je rends l'antenne agréable. On va dire, quand vous êtes dans votre canapé, vous regardez, j'essaye de faire en sorte que tout ça soit joli à regarder, que vous passiez un bon moment, et puis ensuite, respecter les horaires qu'on a annoncés dans les autopromos, enfin tout ça, et puis faire simplement que ce soit chouette. Ça, c'est mon. En gros, c'est. Alors, quelles sont tes techniques secrètes pour que ce soit agréable? Oh là, les techniques secrètes, il y a plein de choses, quoi. C'est essayer
de compiler les émissions par thématique. Par exemple, quand on va voir à Costume Player, par exemple, derrière, je vais mettre un reportage sur le cosplay juste derrière pour faire en sorte de, voilà, de rester dans la même thématique. Je vais pas casser le combo, entre guillemets, avec un truc qui n'a rien à voir juste après. Voilà, c'est ce genre de petits détails qui font la différence, quoi. Donc ça, c'est un peu mon boulot. Alex est donc directeur des programmes. Et donc, il définit, lui, dans les grandes lignes, l'antenne telle qu'il a envie de la voir, en ayant les contacts avec les gens qui font les contenus, etc. Et ensuite, ensemble, on élabore la grille des programmes. Et ensuite, au quotidien, lui, surtout le week-end, et moi, plutôt en semaine, on fait les playlists. Donc, comme vous faites une playlist dans VLC ou Winamp ou je ne sais quel autre logiciel, on fait la même chose, mais pour une chaîne de télé. C'est-à-dire que, je mets à la suite tous les petits programmes, tous les petits segments qui vont composer l'antenne en général sur 24 heures. Puis du coup, je me fais plaisir de temps en temps. Quand je suis à la maison, je sais que je vais être vers telle heure, je sais que je vais être là. Je vais faire une petite playlist. Pour vous, chez vous, vous dites c'est Marvin qui a choisi, mais de mon point de vue, je trouve ça dommage de laisser la main à Marvin. Je me fais plaisir, mais ça, vous le savez pas forcément. Bref. Ensuite, je suis donc également responsable de 101%. Je supervise 101%. C'est-à-dire, j'assemble les plateaux, j'assemble les rubriques qui vont dans 101%. Je crée les conducteurs. Les conducteurs, qu'est-ce que c'est? C'est ce genre de choses. Vous avez déjà certainement aperçu, c'est des documents qui résument, on va dire, les contenus de chacune des émissions. Je prépare ça, je m'assure globalement, je regarde chaque 101% pour être sûr que à peu près tout va bien, comme c'est une quotidienne, c'est quand même un travail assez lourd et assez complexe, il y a quand même un minimum de pression, chaque soir à 19h... Sylvain, ouais. J'ai des gens qui m'appellent, ils veulent voir la critique, crois que tu reviendras à l'antenne juste après pour continuer. Ok, ça marche. Alors donc tout de suite la critique de Crimson Clover, une critique écrite par Paul Cossé. Ils veulent voir la critique maintenant. Hein. Non, mais si, attends, j'ai un truc d'écrit sur le produit. C'est important pour une fois qu'on a des trucs. Et donc, Paul, a écrit cette critique depuis la Russie. Donc, c'est quand même, je pense, important de le dire. Ou pas. Allez, on regarde ça. En anglais, Crimson Clover est une sous-espèce du trèfle, le trèfle incarnat. Mais de l'aveu même de son créateur Yotsuba, Clover est avant tout la contraction de Cave Lover, le célèbre développeur de Dodonpachi. Pas étonnant lorsque l'on sait que derrière Yotsuba se cache CloverTac, un super player bien connu pour ses impressionnants runs sur les titres estampillés Cave. Sur son blog, Yotsuba parle de 5 années de développement, une longue gestation qui aura mis l'eau à la bouche à plus d'un joueur. Inutile de tourner autour du pot plus longtemps, Crimson Clover est un doujin star avant même sa sortie. Et après plusieurs reports, le jeu est finalement commercialisé depuis janvier. Sa récente mise à jour est pour nous l'occasion de revenir sur ce Danmaku exclusif au PC. Deux versions d'essai sont sorties pendant la période de développement et une version payante lors du Comiket 78, la plus grande convention de manga amateur de la planète, les Doujinshi, où l'on trouve aussi de la musique, les Doujin Onkaku, et donc des jeux, les fameux Doujin Game. Crimson Clover aurait dû sortir pendant ce Comiket, mais Yotsuba a préféré remettre à plus tard la date de sortie. Difficile de lui en vouloir, ce jeune programmeur réalise tout seul ce Danmaku en plus de se consacrer à ses études. Et c'est finalement lors du Comiket 79 que Yotsuba présente enfin la version définitive 1.0 de Crimson Clover. La récente mise à jour, ou la version 1.01, ajoute un mode replay et corrige quelques bugs. Pour y jouer, il faut avoir préalablement installé la version commerciale. Le joueur a le choix entre trois vaisseaux, le type 1, 2 et Z. Ces deux derniers vaisseaux ne sont pas accessibles au début du jeu, il faudra donc les débloquer en progressant. S'ils partagent tous les mêmes contrôles, leur vitesse, puissance et jauge sont différentes. Avant d'entrer dans les détails, il faut comprendre l'écran qui ressemble à un tableau de bord d'avion. En réalité, les compteurs sont assez simples. L'originalité est d'en avoir incrusté plusieurs, forçant le joueur à définir ses priorités et donc sa façon de jouer. En haut de l'écran, votre score en cours est affiché.
Sur la tranche latérale gauche, le score item représente l'argent amassé, matérialisé dans la partie sous forme d'étoiles. Enfin, les chiffres qui défilent sur la zone de jeu représentent le break rate, votre compteur de combo. Dans Crimson Clover, seuls 3 boutons sont utilisés, ce qui n'empêche pas l'éventail de combinaisons d'être assez riche. Le bouton 1 est un shot, tout ce qu'il y a de plus traditionnel en auto-fire. Inutile donc de matraquer son clavier. Le bouton 2, lui, fait apparaître un radar qui s'étend lorsque vous le maintenez, mais réduira la vitesse de votre vaisseau. Au bas de votre écran, une barre indique le nombre de cibles verrouillées ou « lock-on ». Sachez qu'il est possible d'utiliser le lock et le shot simultanément. Enfin, le troisième bouton correspond au break. Son effet dépend du niveau de votre jauge situé en haut à droite de l'écran. Comment augmenter le niveau de votre break? Rien de plus simple. Il suffit de détruire des ennemis ou encore toucher des éléments du décor avec votre shot. Bref, le réservoir se remplit assez rapidement et nos yeux ont la fâcheuse habitude d'y jeter un œil pour savoir quand balancer la vinaigrette. Mais ne regardez pas trop votre compteur. Vu l'action, l'opération n'est pas sans risque. Pour éviter d'éparpiller son regard sur tous les compteurs, Yotsubane a ajouté un son qui correspond à chaque niveau de jauge atteint. Voyons voir maintenant comment fonctionne la dite jauge. Entre 0 et 49%, impossible de l'utiliser. À partir de 50%, vous pouvez lâcher une bombe. La bombe a de sacrées vertus puisqu'elle annule les boulettes ennemies et vous donne une brève période d'invincibilité. Mais attention, comme dans de nombreux Danmaku, la bombe est aussi un handicap puisqu'elle gèle votre break rate, le compteur de combo. Si vous visez le score, elle est donc à utiliser avec modération. Enfin, votre barre prend toute sa raison d'être lorsqu'elle se remplit à 100%. À ce stade, le break mode s'enclenche pour un certain laps de temps. À ce moment-là, tous les projectiles ennemis sont cancellés et un compteur émerge. Le vaisseau est invincible un court laps de temps et les tirs sont également beaucoup plus puissants. Mais Yotsubane n'a pas bêtement repris l'hypermode de Dodonpachi Daifukatsu. Par exemple, le tir ne peut pas détruire les boulettes ennemies, il faut toujours esquiver. Mais en break mode, les combos doublent et le score item monte en flèche. Rappelons que le score item n'a rien à voir avec le score, mais correspond à des points à dépenser dans la boutique du jeu, le Limiter Shop. Et si l'on regarde bien, on ne possède pas une jauge, mais bel et bien deux. Et oui, une seconde s'est discrètement faufilée sous la principale. Cette seconde barre se remplit une fois que la première a atteint les 100%. Quelle est alors son utilité? Lorsque vous basculez en break mode, la première barre laisse sa place à la seconde. Et si elle atteint les 100%, on débloque l'arme ultime, le double break. Tout est augmenté, de votre puissance de tir à votre multiplicateur. Par contre, impossible d'utiliser une bombe, car vous ne disposez plus de jauge. Une fois votre double break terminé, vous revenez à zéro. En gros, c'est un exercice à haut risque qu'il faudra utiliser lorsqu'on maîtrise la situation. Ça n'a strictement rien d'une tentative désespérée de sauvetage, à l'inverse d'une smart bomb. Et pour finir, les scoreurs devront également maîtriser les systèmes de lock avec le tir secondaire pour ajouter un ultime multiplicateur aux points reçus. Complexe et exigeant, ce système pose parfois le joueur à maintenir en vie des ennemis sans les shooter, le temps qu'ils reçoivent les missiles. Deux autres modes de difficulté sont accessibles, le mode simple et le mode unlimited. Au lieu d'augmenter ou de réduire la difficulté du mode original, Yotsubane a ajouté des subtilités afin de créer des façons de jouer distinctes. Le mode simple est avant tout destiné aux débutants, puisqu'il retire le système de combo et simplifie son game system. Fini le break mode. La jauge est toujours présente à l'écran et sert uniquement à larguer des bombes. Enfin, lorsque votre jauge dépasse les 50%, la vitesse moyenne des boulettes ennemies augmente. Heureusement, ce mode simple possède aussi ses petits plus. Par exemple, lorsque votre jauge est à son pinacle, certains ennemis génèrent plus d'étoiles, ce qui est très bien quand on a envie de faire un tour à la boutique du jeu. Mais quand on a goûté au mode original, ce mode simple est quand même mou du genou. Le mode Unlimited est presque identique à l'original de par son système de jeu. Oui, sauf que, eh bien, sa difficulté a été nettement revue et corrigée. C'est bien simple, on ne respire à aucun moment. Heureusement, pour éviter le supplice, l'Unlimited possède sa bouée de sauvetage. Si vous faites un lock-on complet sur un ennemi, alors toutes les boulettes visibles à l'écran sont cancellées. Mais au vu de l'armée qui vous fait face, il faut tout de même être sacrément vif pour profiter de ce coup de pouce. L'ordinateur n'a pas attendu les plateformes de téléchargement sur téléphone et console pour proposer des jeux indépendants de qualité. C'est toujours étrange de dire que le PC est dans l'ombre, mais c'est bel et bien le cas. La faute sans doute à un internet trop éclaté et finalement peu canalisé. Pourtant, il s'agit bien d'un des supports dominants du genre shmup depuis la mort commerciale de la Dreamcast. Crimson Clover remet en question la frontière entre la production amatrice et professionnelle. Déjà, le jeu est plutôt joli pour un doujin, il suffit de voir la mission 4. On caresse les volutes du ciel, la ligne d'horizon à la verticale sépare le soleil de la grisaille, puis on met les gaz à travers l'épaisse nappe nuageuse. Notre vaisseau n'est alors plus visible, mais reste repérable par le sillon qu'il dessine. Et peu à peu, on découvre une ville sombre, sous d'épais crachins.
Le jeu est souvent cadencé ainsi, avec des poussées d'adrénaline suivies de rares instants planants, où l'on peut admirer le paysage et profiter de la bande-son, inégale, mais qui possède quelques bons thèmes. Le niveau d'exigence de son créateur le rapproche aisément d'un shmup diffusé sur les circuits traditionnels. Du moins techniquement, car en termes de finition, il se trouverait dans le haut du panier. Les patterns, sans être renversants, fonctionnent très bien. Le jeu est lisible, même dans la noyade de boulettes. Les boss sont aussi fantastiques qu'éprouvants. Ils mettent en marche votre capacité à exploiter les combinaisons possibles pour les abattre. Le système de radar est un plaisir à lui seul. On a souvent envie de jouer avec le feu pour obtenir un lock-on maximum. Et lorsqu'on tient le bougre, le bonheur de relâcher le bouton de lock est particulièrement jouissif. Le fait que Crimson soit souvent comparé à du Dodonpachi pour sa folie et du Ketsui pour son système de points de proximité est déjà un signe fort. Les remarques vont bon train et la culture de ce super player s'étend au-delà des influences Cave. Elle lorgne du côté de chez Rising et le mythique Rayforce, célèbre pour son système de lock-on. Plus que Rayforce, ici c'est bien à Sokugo Dentai qu'on pense pour son radar qui s'étale. Bref, Yotsuba, en vrai prince de la cambriole, a eu le bon goût de choisir de bonnes maisons. Ce mélange de savoir-faire tient la dragée haute au gros bonnet du Dojin. Intense, diabolique et d'une insolente nervosité, il confirme ses attentes élevées et propulse dans l'arène un auteur, Yotsuba, qu'on espère bientôt revoir. Sur nos lives, je suis également en charge des autopromos. Donc les autopromos, bah, c'est toutes les bandes annonces hein, qui vont vous dire voilà les programmes à venir dans les jours à venir justement. Voilà, puis vous donner envie si possible de les regarder. Donc bah ça c'est pareil, c'est un travail. On ne le voit pas forcément, vous voyez, on a l'impression que c'est naturel qu'il y ait des bandes annonces sur une chaîne. Bah ouais, mais derrière il y a du boulot au même titre que des émissions normales. Hein, donc il faut les écrire, il faut les monter, il faut trouver les contenus. Et puis surtout, bah il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance parce que voilà, moi je suis en train déjà d'imaginer ce que sera la grille dans 2 semaines, 3 semaines pour obtenir bah, les contenus suffisamment en avance pour récupérer des images, etc. Parce que généralement, vous savez, sur The Life, les émissions, des fois, elles sont finies quelques minutes avant la diffusion, donc pour toi c'est pas toujours évident, mais voilà, bah, je fais chier tout le monde à No Life, je vais te voir, tu m'envoies un bout de la critique, tu m'envoies un bout de truc, et puis comme ça, voilà, maintenant, quand ils me voient arriver, ils ont peur, mais bon. voilà, et là on va regarder Game Center, donc c'est la nouvelle émission sur l'arcade présentée par AM, et puis juste après bah, je vous reparlerai un petit peu de la télé en général, parce que avant d'être à No Life, j'ai fait d'autres trucs avant, et puis je pense que ça peut être intéressant, vous allez voir qu'on va bien rigoler. Et bienvenue dans Game Center. Nous allons parler d'arcade. En effet, Game Center, c'est le terme japonais pour désigner nos salles d'arcade. Et qu'est-ce que l'arcade ? Eh bien, c'est ça, ce sont ces magnifiques machines dans lesquelles on glisse une pièce de monnaie pour pouvoir jouer. Je suis en face donc d'une borne japonaise, une Astro City. Vous le savez sûrement, mais il existe vraiment de nombreux types de bornes, des formes diverses, avec différents types de hardware, etc. C'est pourquoi nous allons voir ça tout de suite, plus en détail. Les bornes d'arcade sont, rappelons-le, des machines destinées aux professionnels. Vu leur prix, l'achat d'une borne ne se fait donc pas à la légère et il faut s'y connaître un minimum sur les différents meubles existants. Il existe un nombre incroyable de bornes d'arcade, toutes les lister seraient mission impossible, mais on peut cependant les trier par type pour y voir un peu plus clair. Tout d'abord, il y a des bornes génériques et des bornes dédiées. Une borne générique a la particularité de pouvoir faire tourner différents types de jeux, elle se doit donc de posséder des contrôleurs standards, sticks et boutons. On peut par exemple mettre des jeux de combat, des puzzle games ou de beat'em all, juste en changeant le jeu à l'intérieur et le nombre de boutons du joueur. Très pratique pour les exploitants, les bornes génériques permettent un roulement de jeu à prix réduit. En contrepartie, les jeux sont plutôt orientés gamer et peuvent ne pas rapporter beaucoup s'ils sont mal choisis. A l'inverse, une borne dédiée est, comme son nom l'indique, dédiée à un seul et unique jeu. Souvent de grande dimension, les dédiés proposent des contrôleurs différents d'un simple panel générique pour rendre le jeu plus réaliste ou fun. Par exemple, une borne Drummania ne pourra accueillir que les jeux Drummania, mais elle dispose du coup de tout l'attirail spécifique au jeu, ajoutant ainsi une plus grande plus-value. Les bornes dédiées sont évidemment plus chères que les génériques, mais elles ont le pouvoir d'attirer les gens de passage, y compris les non-gamers. C'est pourquoi au Japon, les bornes dédiées se trouvent toujours à l'entrée des Game Center, afin d'attirer le chaland. C'est donc un gros investissement, mais ce dernier est bien souvent rentable.
Au sein des bornes génériques, on peut encore distinguer trois types de bornes. Les Upright Cab, qui se jouent debout, les Candy Cab, qui se jouent assis, et les bornes Cocktail, qui proposent un écran à l'horizontale dans une sorte de table basse, la grande classe. Enfin, on observe de grandes différences entre les bornes japonaises et occidentales. En Europe et aux États-Unis, nous avons eu droit à des grosses bornes en bois se jouant debout avec des sticks en poire et des boutons à la qualité douteuse. Alors qu'au Japon, ce sont les Candy Cab qui dominent. Le bois était rapidement abandonné pour des bornes en métal ou plastique. Plus compactes, les bornes japonaises se jouent avec un stick à boules. Pour ceux qui souhaitent investir, c'est un choix à faire. Le côté nostalgique des bornes de notre enfance ou le confort d'une borne japonaise. Donc, après toutes ces explications un petit peu théoriques, quoi de mieux que la pratique pour comprendre comment ça marche ? Je suis donc en face d'une New Astro City, une borne générique japonaise, très très répandue mais qui malheureusement a tendance à disparaître maintenant. Tout d'abord, l'élément principal, c'est l'écran. L'écran qui est là. Faut savoir que c'est en assez basse résolution, les jeux arcade d'origine c'est du 320x240. Mais on a quand même une qualité vraiment magnifique parce que c'est du RGB, tout bête, il n'y a pas de transformation de signal ni quoi que ce soit. On a une platine derrière, un élément très important qu'on oublie souvent, donc une platine qui permet de gérer le balayage du canon à électrons. On peut dessus régler les paramètres RGB, etc. Au-dessus, nous avons donc les enceintes, toutes bêtes. Hein. Par défaut, les jeux sont en mono, mais via des prises supplémentaires, on peut mettre du stéréo. Ensuite, nous avons le panel. Alors, un panel, classiquement, vous avez un ou deux joueurs avec un stick pour les directions et après des boutons, ça peut aller de 0 boutons jusqu'à ici, on en a carrément 7, et des boutons start. Alors, on va voir comment c'est foutu sous le panel. Donc, voici le dessous d'un panel. Comme vous pouvez le constater, c'est relativement simple. Vous avez ici un joystick à 4 directions. Des boutons avec tout simplement donc un fil et une masse. Les boutons ainsi que le stick sont donc reliés via une petite prise qu'on branche ici pour le P1 et le P2. Vous avez ici un raccourci vers la platine justement avec les réglages de l'écran dont on sert le plus souvent. Souvent donc le brightness ainsi que la taille et la position de l'image en vertical et en horizontal. Ici on remarque l'entrée des pièces. Quand le panel est fermé, on introduit la pièce ici pour pouvoir jouer et elle va donc glisser dans la machine. C'est pour ça qu'on va tout de suite aller voir comment marche le monnayeur. Voici donc l'emplacement du monnayeur. Ici, il est absent parce que chez No Life, on n'a pas besoin de payer. Hein, et on a installé un petit bouton pour le free play. Mais normalement, la pièce passe via un dispositif mécanique qui voit si la pièce est bonne ou non. Et la rejette ou, au contraire, la fait passer et envoie au jeu le signal comme quoi une pièce a été insérée. Après quoi, la pièce va tomber ici, dans ce petit bac. Le gérant va pouvoir récolter ses gains tous les soirs. Et pour finir, voici donc véritablement l'intérieur d'une borne. Il n'y a pas grand-chose en fait. Dans une borne, vous avez ici une alimentation. L'alimentation qui va donc répartir le courant vers les différents dispositifs et surtout le réguler. Par exemple, les jeux vont avoir besoin du 5 volts et du 12 volts. On pourra régler notamment le 5 volts via un petit potard sur le dessus de l'anime. Nous avons aussi des boutons réservés au staff, tels que le test pour entrer dans les menus des PCB, le dégosse ainsi que le service. Et maintenant, pour finir, le jeu. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai présenté, eh bien, il n'y a pas de hardware. L'hardware, en réalité, dans l'arcade, c'est le jeu en lui-même. Ce n'est pas comme une console où on met des jeux comme ça. Le jeu fait véritablement office d'hardware. Et ici, nous avons donc un slot MVS qui est relié via un connecteur JAMA, le connecteur standard. On développera tout ça dans des prochaines émissions pour voir comment marche notamment ce connecteur JAMA. Voilà, c'était le premier numéro de Game Center. Maintenant, vous savez déjà un peu plus ce que c'est que l'arcade. Vous avez les connaissances maintenant sur ce qu'il y a dans un meuble d'arcade véritablement. Et la prochaine fois, nous allons voir donc les jeux, les différents types de jeux, les différents supports. Et moi, je vous dis à la prochaine. Wow.
Voilà pour Game Center. Donc, avant d'arriver à No Life, j'ai fait pas mal de choses. J'ai traîné, j'ai bossé pour Le Maillon Faible, j'ai bossé pour Morandini, pour Canal, j'ai fait des trucs à M6 aussi. Enfin bon, voilà, j'ai touché à pas mal de choses. Et du coup, j'ai forcément pas mal d'anecdotes. Alors, je peux pas tout vous raconter. Et puis surtout, il y a des trucs qui sont clairement pas avouables, hein, mais des bons gros fails, voilà, très sympathiques. Mais j'en ai une que je peux vous raconter et qui est vraiment sympa. C'était une interview d'un footballeur. Alors, je vais pas vous dire qui c'est par politesse, c'est un footballeur qui a traîné autour de l'équipe de France. Il y a été, il est reparti, il est revenu, il est reparti. Enfin, je crois, j'ai plus trop suivi à la fin, mais en gros, voilà, les footeurs ont deviné de qui il s'agit. Et donc, j'étais en charge de monter cette interview, et il a fallu que je le rende intelligent. Oui, parce que, dans le montage, Pili vous le dit suffisamment, on peut truquer facilement les choses, et en l'occurrence, là, il s'agissait d'une séquence dans laquelle la journaliste lui propose de faire des associations d'idées. Donc, les associations d'idées, rapidement, ce que c'est, vous savez, on vous donne un mot, et très vite, voilà, vous devez répondre du tac au tac, un mot en rapport avec ce premier mot, et puis en rapport avec vous. Et voilà. Et là, donc, la journaliste le lance là-dessus pour finir l'interview. Et là, déjà, on sent la panique. On sent qu'il n'avait pas du tout compris de quoi il s'agissait. Et voilà. Et donc là, c'est un peu le truc galère. C'est-à-dire que la journaliste lui lance un mot, mais des mots vraiment en rapport, par exemple, en rapport avec le foot, on va dire coach. Et pour chaque mot, c'était une galère monstrueuse parce que, en gros, il mettait 30 secondes à une minute pour sortir un mot. Donc si vous imaginez un peu le truc, c'est coach, et là vous avez, il y a une caméra fixe qui le filme, et vous le voyez en train de réfléchir, et juste à la fin, il sort un mot complètement aberrant qui est du style coach, entraîneur, quoi. Vous voyez, enfin, c'était un truc assez lamentable. Et donc, j'arrive dans la salle de montage, il faut que je fasse un truc. Et donc, je l'ai rendu intelligent en recoupant tous ces trucs-là, puisque la journaliste était en off, c'est-à-dire qu'on ne la voyait pas à l'écran. J'ai pu ramener son premier mot et le coller quasiment à la réponse du footballeur. Et donc voilà, comme quoi, et vraiment la télé, tout est truqué. Allez, voilà pour cette petite anecdote, on passe aux animés manga avec cette semaine La Déchéance d'un homme et Le Prince des Ténèbres. Voilà, c'est parti. Cette femme est Mayumi. 本名は後になって知りましたが、常子というそうです。De nombreuses fois adapté en film live, le célèbre roman La Déchéance d'un homme a également eu droit à une version animée. Celle-ci fut réalisée par le studio Madhouse en 2009 pour fêter les 100 ans de la naissance de l'auteur du livre, l'écrivain japonais Dazai Osamu. Il ne s'agit pas d'un long métrage, mais de 4 animés de la série Youth Literature regroupés sur un DVD. Cette série proposait de remettre au goût du jour sur le petit écran nippon des œuvres de la littérature japonaise classique et moderne. Pour attirer un public adolescent, certains dessinateurs de mangas populaires tels que Tite Kubo ou encore Obata Takeshi participaient à cette initiative. La Déchéance d'un homme relate le funeste destin de Yozo, fils d'un riche député du nord-est du Japon. Élevé dans un univers exclusivement féminin et terrorisé par l'image paternelle, le jeune garçon est vite persuadé d'être moins qu'un être humain, au mieux une sorte de monstre. C'est avec cette conviction qu'il va non seulement gâcher les chances dont il dispose, mais également rentrer dans une spirale infernale, composée d'alcool, d'amour tragique et d'autodestruction. Du point de vue graphique, la réalisation est assez soignée pour une série télévisée. J'aimerais vivre comme un être humain, mais je suis incapable de m'en sortir tout seul. Au character design, on retrouve Obata Takeshi, le dessinateur de Hikaru no Go, Death Note et Bakuman. Vous avez un endroit où dormir ? Asaka Morio, le réalisateur de Nana et Gunslinger Girls, chapeaute le tout. Vous pouvez venir chez moi. Certains passages sont traités de manière assez expressionniste, mais l'ensemble reste relativement classique. Je dois vous dire que mes conditions de vie ne sont pas dignes d'un être humain. Pour ce qui est du doublage, Sakai Masato, acteur de cinéma et de théâtre ayant remporté de nombreux prix, prête sa voix à Yozo. Il parvient à lui donner une profondeur qui se marie bien au côté un peu lisse du chara-design. Le DVD et le Blu-ray contiennent l'animé en version sous-titrée et française, ainsi que quelques bonus, comme une interview du réalisateur et quelques interventions de Sakai Masato.
On ne saura trop que vous conseiller la lecture du roman originel, beaucoup plus sombre et plus riche, disponible en français chez Gallimard. En effet, la version animée est vraiment adaptée pour un format de série télé. Ainsi, la chronologie du récit est complètement différente du matériau d'origine. Elle vise surtout à apporter plus de dynamisme et à coller au découpage en 4 épisodes. Certains sujets sont moins abordés que dans le livre, comme celui de l'argent ou de la drogue, et certains événements diffèrent légèrement. Malgré ce manque de fidélité, l'animé La déchéance d'un homme n'en constitue pas moins une œuvre mature réservée à un public assez adulte dont les thèmes sont rarement abordés dans le monde de l'animation. Et rien que ces arguments justifient qu'on y jette un coup d'œil. Si vous combattez les monstres, prenez garde à ne pas en devenir un vous-même. Car quand vous regardez l'abîme, lui aussi vous regarde. C'est par ces mots que commençait le premier tome du manga, Le Prince des Ténèbres. Celui-ci s'enfonce de plus en plus dans la noirceur. Junya, le frère d'Ando, personnage assez secondaire au début de l'histoire, est maintenant prêt à tout pour arrêter l'ascension d'Inukai. Ce dernier a complètement manipulé les foules et dirige désormais la ville. Il continue de se débarrasser des personnes encombrantes grâce aux Grasshoppers, sa milice privée. Celle-ci est d'ailleurs la cible de Junya, qui tente de la détruire en engageant des tueurs professionnels. Pour ce faire, il utilisera son don, celui de gagner n'importe quel pari. Le doute s'installe maintenant sur la réelle identité du Prince des Ténèbres. Avec un scénario qui gagne en intensité tome après tome, cette série se termine après 10 volumes publiés aux éditions Kurokawa. Adapté du roman Mao par Isaka Kotaro, un des auteurs de thrillers les plus réputés au Japon, l'histoire commence assez simplement pour prendre de plus en plus d'ampleur, donnant très vite au lecteur l'envie de connaître la suite. Avec des personnages charismatiques, une confrontation ayant pour thème la justice, beaucoup de surprises et de revirements de situation, cette série ne donne pas qu'une seule vision des choses au lecteur. Et tous ces éléments vont amener l'histoire vers une conclusion surprenante. Pour ce qui est du graphisme, celui-ci est simple et efficace, bien que l'on puisse noter quelques maladresses, comme des visages étrangement déformés. Cependant, la mise en scène dynamique de l'illustratrice Osuga Megumi permet une immersion totale. En bref, la fin de ce manga devrait susciter de nombreuses réflexions, ce qui ne laissera personne indifférent. Du début à la fin, on ressent une nette évolution scénaristique et visuelle avant un dénouement en apothéose. Sachez également que beaucoup d'autres œuvres d'Isaka Kotaro ont été adaptées en manga. Osuga Megumi et ce dernier produisent en ce moment au Japon un spin-off du Prince des Ténèbres intitulé Waltz. Le personnage principal de ce titre n'est autre que l'un des tueurs de la série d'origine. Voilà, l'émission est presque terminée. Alors, donc, dans les autres anecdotes aussi, j'en avais une super sur Zidane, mais je pense que celle-là, je peux pas vous la montrer parce qu'elle serait trop longue à expliquer. Je la raconterai peut-être un autre jour. Et voilà. Alors, un truc aussi, si je vais pousser une gueulante sur un truc, c'est les émissions qui compilent les vidéos du net. Faut arrêter. C'est vraiment, voilà. On fait pas ça sur nos lives et tant mieux. Parce que, c'est pas possible, quoi, si vous voulez. Si on veut aller voir des vidéos débiles sur YouBeep ou Daily Beep, ouais, je me bip au tournage, c'est plus rapide, bon, après. Et ben, on le fait. On n'a pas besoin qu'une chaîne de télé le fasse pour nous, en fait, voyez. Et j'ai monté ce genre de truc. Et c'est du montage au maître, en fait. C'est vraiment, vous montez ça, vous débranchez le cerveau. C'est-à-dire que vous voulez 2 minutes de chute, bah, voyez, vous prenez une vidéo de chute, vous faites tac. Plus 2 minutes, c'est-à-dire que je montais des trucs sans même les regarder parce que c'était tellement aberrant. Voilà, hop, je colle la musique de Benny Hill dessus et voilà, c'est parti, c'est dans la boîte. Et voilà, c'est absolument chiant, nul, inintéressant. Et j'en ai fait suffisamment pour vous dire que, vraiment, ça vous abrutit, quoi. Donc, je vous en prie, ne regardez pas ces émissions. Si vous avez envie d'aller voir ce genre de truc, mais allez-y vous-même. Attendez pas qu'on le fasse pour vous, quoi. Mais parce que là, c'est... Et puis, alors oui, un autre truc aussi, c'est que ces vidéos donc sont pompées du net, donc dans des qualités d'encodage vraiment médiocres, très très mauvaises, etc. Et ça passe sur des chaînes qui se disent HD.
Faut arrêter, quoi. C'est pas possible que ces contenus qui viennent de YouTube, je l'ai pas bipé, bon bref, sont pourris, arrivent en HD. Ça n'existe pas. On peut pas dire, ah bah tiens, on transforme le truc et puis d'un seul coup ça devient super clean. Bah non, si la vidéo elle est crade de base, elle va pas revenir super clean. Ok, bien, Sylvain, merci. Non, mais c'est vrai, quoi. Merde, là. C'est pas possible, ça. Bon, allez. Il faut dire voilà. Au revoir aux gens maintenant. Ok, au revoir les gens, à bientôt. Mais j'avais pas fini, Alex, hein.